Bonjour à tous. Il y a eu la dernière fois un calcul avec un 13 500 qui a dû être trouvé en 3 millièmes de seconde. Moi, je vous dis que ce 13 500 qui a été trouvé mérite bien les 2 900 € de cagnotte. Et c'est Gilbert qui a trouvé son bon compte. Bonjour Gilbert. Je vais demander l'avis d'Ariel et de Bertrand, mais vous nous avez bluffé la dernière fois avec ce calcul. Ça a été d'une rapidité, mais incroyable. Incroyable. Il y a de l'entraînement derrière, il y a du travail. Des chiffres depuis tout petit, oui. Eh oui, c'est ça. Ouais, il faut compter quelques années dans ces cas-là d'entraînement. Belle cagnotte, je le disais, à 2 900 € et un sixième match. Là, maintenant, vous avez franchi l'étape des 5 victoires. On vous souhaite bonne chance pour la suite de l'aventure. Face à vous, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois, mesdames, messieurs, sur le plateau des chiffres et des lettres, en exclusivité pour France 3, Claire, qui est avec nous. Elle a refusé toutes les propositions des autres jeux, des chaînes. Quelle chance, on a. Et voilà, elle a voulu Darté, absolument jouer avec nous. Et Darté, chaîne franco-allemande en particulier. En plus. Plus. Oui, l'allemand, c'est une deuxième langue pour vous, voire une première. Quasiment, oui. Quasiment. Bon, votre métier ? Traductrice. Traduit. D'allemand. Très bien. Vous habitez en région parisienne ? Oui. Les Yvelines ? À Buc, près de Versailles, oui. À Buc, précisément. Il y a une chose que vous n'aimez vraiment pas et vous les traquez, ce sont les fautes d'orthographe qui traînent un peu partout. Oui, ça, ouais. Ça me rend... C'est vrai ? Ça, ouais. C'est très difficile, oui. Très bien. Oui. Vous, ça vous arrive de lire de temps à autre des SMS, des échanges comme ça entre les uns et les autres ? Non ? Oui, avec des fautes d'orthographe. Donc oui, ça, c'est ça. Oui. Mais là, vous devez être dans un état mais de nerfs pas possible. Non, on peut être indulgent quand même. Vous êtes indulgent dans ces cas-là. Bon, bonne chance en tout cas et bienvenue ici sur le plateau. On ouvre ce match, vous le savez, Claire, par un sésame. Je vous demande donc à vous deux, Gilbert et Claire, de rejoindre, s'il vous plaît, les buzzers. Ça se joue à la rapidité. Et c'est un mot de 10 lettres qu'il faut trouver pour commencer. Bonne chance. A, B, S, E, L, O, U, E, R, I. Gilbert. Laborieuse. Oui, Gilbert, c'est cela. Ça a pris le temps, mais c'est bon. Le sésame en poche pour vous, Gilbert. Claire, vous rejoignez la tablette ainsi que Gilbert. Et avant d'ouvrir ce match et la première manche, sixième match aujourd'hui pour Gilbert. Tout au bout de la route, il y aura peut-être les 10 victoires. Et dans ces cas-là, ce cadeau à la clé, c'est pour vous, Gilbert. Ailleurs les palmiers, face à la mer et aux îles d'or, le club plein sud du groupe Vacances Bleues vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activité sous le soleil de la Méditerranée. Pour nos candidats, première manche. Et un premier tirage de lettres, bien entendu, c'est à Claire de parler. Combien de voyelles ? 4 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. C-U-A-O-B-Y-L-L-M-L. Il n'est pas facile. Hein. Claire. 5 lettres. Combien, Gilbert ? La même chose. En 5, Claire. Bocal. Ouais, c'était quand même un autre pour Gilbert. Boyau. Il y avait Bayou, Alloc, Local, album. Et il y avait quand même un 6 lettres avec Maboule. Ah oui. Bon. Vous êtes resté à 5 lettres, Gilbert et Claire. C'est le nombre de points que vous inscrivez. Voici le premier coup de chiffre. 8, 8, 1, 2, 6 et 4. 665. Thank you.
665. Claire, à combien êtes-vous? À 5. Vous êtes à 5 près. C'est vous, mieux. Gilbert C'est moins bien pour moi. Allez-y, Claire. Allez-y, Claire. 8 fois 8, 64. 6 et plus 4, 10. 64 plus 2, 66. 66 fois 10, 660. Oui, on pouvait faire un 83 fois 8 qui faisait 664 et on marquait 10 points. On était à un près maximum. Voilà. Au mieux, en tout cas. Donc vous marquez 7 points, Claire, en tout cas. Bravo, Claire. Et vous les marquez seule. Et ça, c'est important. Vous prenez la tête de cette première manche. Gilbert, combien de voyelles? 4 voyelles, s'il vous plaît. Le tirage. L, L, E, E, S, A, D, U, T, L. Gilbert? 7 lettres. Claire? Pas mieux, 7 lettres. 7 lettres aussi. Hein. Oui. Allez-y, Gilbert. Adulé. Et Claire avait adulé également. Il y avait dalé, dateuse, adulte. Et 8 lettres avec sautel. Je n'ai pas cherché d'ailleurs. Sautel. Ah, et lutéal, qui se rapporte au corps jaune. Enfin, c'est un terme de physiologie. Et sautel, je vous dis ça tout de suite. Sautel, sautel. Esaco, c'est une marcotte de vigne. On marcotte avec un seul serment. Voilà, on recourbe pour marcoter. D'accord, sarment. Oui, oui. J'ai dit serment. Il me semble, mais bon, j'entends sarment. Mal, vous savez. Je ne suis plus très jeune. on y va maintenant avec un coup de chiffre. 6, 6, 75, 2, 5 et 1. 964. Gilbert? 936. Eh oui, c'est un peu loin. Claire? Le compte est bon. Allez-y. 6 fois 2, 12. 12 et 1, 13. 13 fois 75, 975. 6 plus 5, 11. 975 moins 11, 975. Ouais, bravo. Hein. Commentaire, Bertrand? Oui, mais c'est surtout... Je vous reconnais plus. Oui, je suis parti sur une mauvaise route. Oui, mais ça fait deux fois. Oui. C'est bien Gilbert? C'est un frère? Justement, je me demande. C'est un clown. Question, oui. Il y a une vraie ressemblance, mais oui. Quand on voit les chiffres, non. En tout cas, Claire, Claire est bien Claire, donc voilà. Parce que vous pensez aux jumelles de Claire qui intervertissent leur place pas dans du les tout. Classes. Pas du tout, expliquez. Mais Claire a des jumelles, de vraies jumelles, oui. Et elles jouent des tours, et entre autres, elles vont dans la classe de l'autre, en particulier le 1er avril. Elles ont fait ça, oui, avec des professeurs le 1er avril, oui. Elles sont les profs n'ont rien remarqué. C'est une bonne idée, ça. Bon, les points, c'est donc pour Claire et c'est un joli score pour Claire. Oui. Pour l'instant, elle est à 29 du côté de Gilbert. Difficulté dans ce match et sur ce compte, 12 au compteur. On passe maintenant sur un nouveau coup de lettre et c'était à Claire. Wie viel? 3, 4, 5, 6. 4, bitte. Hein, 4, s'il vous plaît. Je traduis un 4. Hein. X, N, I, I, Q, X, N, R, O. Pas récompensé. Claire? 4 lettres. Ah, Gilbert? La même chose.
En quatre, clair. Noir. Ce qu'avait Gilbert, il y avait quand même un cinq-lettres qui est chez Bertrand. Le Ronin, c'était un samouraï qui prenait ses libertés, qui partait en quête d'aventure. Ah, d'accord. Voilà. Bon, parfait. Il y a eu des films là-dessus. Oui, absolument. Ouais, ouais. Bon, faut le trouver. Hein. C'était le seul cinq-lettres sur le tirage. Ouais. Avec un accent circonflexe sur le haut. Terrible. 4 points pour Claire et Gilbert. 33-16. On les encourage tous les deux. Ce n'est pas une partie facile. Des comptes compliqués, des tirages un peu pauvres. Coup de chiffre. 100, 6, 1, 1, 25 et 8. 253. 252, c'est pas fini. Et vous, Gilbert ? Le compte est bon. On y va, Gilbert. 100 plus 25, 125. 8 moins 6, 2. 125 plus 1, 126. 126 fois 2, 252 plus 1. C'est là que Claire s'est arrêtée. Et vous, continuez. Ah oui, j'ai pas eu. Plus 1. Voilà. Je n'ai pas eu le temps. Très bien. J'ai paniqué sur les touches. Hein, c'est bien. Ah ouais. La mise en scène. C'est formidable. Et sans répétition comme ça. Hein. Non, vous inquiétez pas, c'est ce qui est écrit qui compte. Ce n'est pas ce que vous dites. Gilbert, le bon compte et les 10 points supplémentaires, c'est vous qui les inscrivez. C'est un joli coup, ça permet de combler votre retard. 33-26. Gilbert, combien de voyelles ? 4 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. E, R, M, S, E, U, I, M, N, B. Et vous, Claire ? 8 lettres également. Le 8 de Gilbert. Sumérien. Oui. Et Claire ? Embrumé. Voilà, mais il y en avait d'autres, buriné, membru. Oui. Ah oui ? Bien membré, c'est-à-dire avec des gros membres. Je vois. D'accord, merci. Les points 8, et c'était le top à 8, hein. Il n'y avait pas mieux sur ce tirage. Bravo Gilbert et Claire. Pour conclure cette première manche, voici un coup de chiffre. 4, 75, 6, 25, 9, 4, 257. Gilbert. 258. Claire. 260. Oui, c'est le 258 de Gilbert qui l'emporte. Allez-y. 75 moins 9, 66. 66 fois 4, 264 moins 6. Voilà, et là aussi, Claire, vous pouvez arriver à 256, mais vous êtes un peu en mêlée. Alors, 75 fois 4, 300. Moins 25, 275. 6 moins 4, 2 fois 9, 18. Et 275 moins 18, 257. Et il y avait même d'autres versions. Ouais. Encore. On retient le 258 donc, qui a été proposé par Gilbert. L'intérêt, il marque seul les points. Et c'est surtout que nous nous retrouvons avec une égalité à la fin de cette première manche. 41 partout. Encouragement pour Claire et Gilbert. C'est parti. Voici la deuxième manche.
Et cette deuxième manche se joue à la rapidité. Vous rejoignez donc, s'il vous plaît, les buzzers. La main sur le petit champignon blanc devant vous pour répondre à ces quatre propositions de duel. La première, c'est un thème qui a été envoyé par qui ? Yvonne Crépin des Nains Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et elle vous demande de jouer sur le thème suivant. Le Schnorr, un fleuve et un plat. Et c'est tombé sur moi, évidemment. Le tirage. M-A-C-I-H-L-A-F-E-A. Oui, Claire. La Flamiche et A-A. Oui, bravo. Bah oui. Vous faites des mots croisés ? Pas beaucoup, non. C'est un classique. Bah, voilà, c'est un classique. Oui. Alors, c'est un petit fleuve, 89 km, qui part de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais et puis qui arrive à Gravelines dans le Nord. Donc voilà. Alors ça, c'est l'estuaire. C'est très, très joli. Ça a pu être peint. Je crois que ça a été peint par Seurat, d'ailleurs, quand il était allé à Gravelines. Donc, que peut-on dire ? C'est très champêtre, c'est très fertile. Et à un moment, ça sépare les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. La Flamiche. Alors, moi, je n'ai rien compris parce que pour moi, la Flamiche, c'est au poireau. Alors, vous faites d'abord, vous les badigeonnez de lait, vos poireaux, et puis vous mettez... Alors, c'est une pâte brisée en général. Là, on a une photo de pâte feuilletée, donc oui. Moi, ça me gêne beaucoup. Et puis, vous mettez de la crème, plutôt de la crème épaisse, un œuf éventuellement, un peu de lait. Mais alors, il y a des versions où vous mettez du lardon et vous faites ça avec une béchamel. Enfin bon, c'est n'importe un scandale. Quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, alors, même maintenant, vous avez des Flamiches au maroilles. Enfin bon, on extrapole. Ça devient... Et alors, vous avez une version aussi poireau et saumon. C'est dans la Baie-de-Somme. Ça, c'est authentique. C'est dans la Baie-de-Somme et du côté d'Abbeville. Voilà. C'est un véritable coup de gueule que vous poussez aujourd'hui, Bertrand. Et donc, c'est plutôt Picardie que Nord. Ah, Flamiche. Bonne réponse, Claire. Claire, 10 points. Vous êtes en tête. 51-41. Deuxième duel, on passe à l'orthographe. Alors là, c'est Jean-Paul Poirier qui habite Séglien, dans le Morbihan. Et il vous propose le mot... Vélocimétrie. À vous, Gilbert. V-E-L-O-C-I-M-E-T-R-I-E. Oui. On reconnaît vélos, voilà, la mesure, métrie, la mesure des vitesses. À part ça, la mesure pour la balistique du recul d'un canon. La mesure pour la biologie du sang, la vélocimétrie Doppler. Quand vous avez un Doppler. Ah, et puis aussi pour l'industrie, le papier, les laminoirs. C'est vrai que le piège était peut-être d'écrire ça S-Y comme la symétrie. Voilà, il faut penser à vélos, rapide. Vélos. D'accord. Donc, la mesure. Parfait. Merci beaucoup et bravo surtout à Gilbert. Regardez, 51 partout dans cette deuxième manche après les deux premiers duels. Il nous en reste deux encore. Si on remporte chacun le leur dans ces cas-là, ce sera un coup décisif. On n'en est pas là. On regarde ce que ça donne maintenant sur ce duel de calcul mental. Et on reste en Bretagne, à Rospordun, Finistère. C'est Samuel Lambert qui nous envoie les opérations suivantes. 789 plus 456 fois 2 divisé par 3 moins 1 multiplié par 2. Gilbert. 1658. Oh, mais comment fait-il ? C'est joli, ça, c'est énorme. Bravo, oui, Gilbert. C'est énorme. Bonne réponse. Oui, parce que moi, j'essayais de me dépêtrer. Alors, on va faire les opérations presque dans l'ordre. 789 plus 456. Si vous ne vous êtes pas trompé dans les retenues, ça fait 1245 déjà. Après ça, je vais diviser par 3, on est à 415. Et je vais multiplier par 2, on est bien à 830. Après, ça allait, si je puis dire, moins 1, 829, fois 2, 1658. C'est remarquable, hein, il a déjà brillé sur ses duels de calcul mental. Et une nouvelle fois, vous nous donnez la bonne réponse, Gilbert. 10 points, vous êtes en tête, Gilbert. 61-51, rien n'est joué. Il y a encore un dernier duel et on peut retrouver une égalité. Écoutez bien les indices sur ce quatrième et dernier duel. C'est le l'un dans l'autre. C'est Paulette Moreau qui a envoyé les indices. Elle habite dans les Alpes-Maritimes à Colomar. Femme de voyageur, voyageur entre guillemets, ce sera le nom propre. Et pour le, c'est un adjectif plutôt, emmitouflé, synonyme d'emmitouflé. Le tirage. E-N-V-L-O-E. E-P-E-P.
Gilbert. Enveloppé et Pénélope. Mais oui. Oui, excellente réponse. Vous étiez prête à buzzer, Claire. Oui. Au même moment, vous auriez donné cette réponse aussi. Oui. Bon. Oui, vous avez hésité une seconde de trop. Donc, enveloppé, effectivement, Pénélope, on le sait, la femme d'Ulysse. Hein. Comment avait-elle épousé Ulysse? Elle était très, très belle. La cousine d'Hélène, c'était une Spartiate aussi, Pénélope. Et son père, pour trouver un prétendant, parce qu'elle n'en manquait pas pour le choisir, a organisé des jeux. C'est Ulysse qui a gagné. Elle est restée 20 ans quand même toute seule. Hein. Ulysse est parti tout de suite après la naissance de Télémaque. Et quand il est revenu, il était avec des haillons. Alors, il a gagné l'épreuve de l'arc, mais elle s'est dit, ça se trouve, c'est un Claude, aussi, c'est pas mon mari. Et donc, elle lui a dit, mais je vais faire dresser le lit. Il a dit, comment ça, faire dresser le lit? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mon lit, il peut pas être dressé. Et pour cause, parce qu'il l'avait construit à partir d'un olivier. Donc, oui. Il avait utilisé un olivier qu'on pouvait pas transporter. Elle a dit, mais oui, c'est lui, c'est mon mari. C'est lui. Bon, merci beaucoup. C'est beau, c'est bien raconté surtout. Merci. Les points pour terminer ce match après ce quatrième duel pour Gilbert et le score final de 71 à 51. C'est une sixième victoire pour Gilbert aujourd'hui. Bravo Gilbert. Merci Laurent. On applaudit la sixième victoire de Gilbert, bien sûr, mais j'aimerais surtout qu'on applaudisse Claire parce que vous avez vraiment livré, j'allais dire, une belle bataille, en tout cas un très très beau match. Vraiment félicitations. On me dit, est-ce qu'elle peut revenir Zourouk? Vous reviendrez bientôt, j'espère. Oui, j'espère. On vous offre une deuxième chance. Oui, je veux bien. Mais... trouvez un petit peu de temps, en tout cas, pour nous rejoindre. Et puis, on vous offrira une nouvelle chance. Heureux, merci. En tout cas, de vous avoir accueilli. C'était une première participation pour vous ici sur le plateau. Oui. Voilà. J'espère que vous en garderez un bon souvenir. Cadeau pour vous, Claire. Le Robert vous offre ses dictionnaires de référence, le Petit Robert et le Robert Illustré 2020, ainsi que le magnifique dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. Et aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. Merci beaucoup Claire, à très vite. Et encore plus vite pour Gilbert, parce qu'on va le retrouver dans quelques instants. Ce sera très court ici au centre du plateau pour les mots de la fin. Avec une sixième participation, montant de la cagnotte 2 900 €. Le sésame également en poche et on vous retrouve dans un instant. A tout de suite sur France 3. Mercredi sur France 3. Nous sommes en Charente-Maritime. C'est ici que nos deux candidats vont s'affronter. Chasse aux énigmes avec Cyril Ferraud dans une course contre la montre. Bonjour messieurs, dames, j'ai une photo indice. Ce serait pas un bateau ancien? Un phare de cordon, c'est juste en face. Entre ciel et terre, deux candidats tout terrain. Il y a un petit piège. Toute option. Yes. Tu prends une calèche. Oui. Vous l'avez compris, vous allez encore en prendre plein les yeux. La carte au trésor, de La Rochelle à l'estuaire de la Gironde. Mercredi à 21h05 sur France 3. Six victoires pour Gilbert et une nouvelle participation au mot de la fin tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt, Gilbert? Pas du tout. Pas du tout, non. Mais il va falloir faire avec. Ah, c'est maintenant. Le sésame. Ça peut aider, ça peut soulager. Les deux minutes, bien entendu, c'est le chronomètre qui s'affiche et un premier tirage pour découvrir un mot de sept lettres. Top. Rigueur. Oui, 100 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. Une minute, 8 lettres. Cadette. Non, ça fait. 9 lettres. Garniture. Oui, 200 euros. 10 lettres. Pétillante.
Oui, 300 euros. 8 lettres. Je passe. Vous passez. 9 lettres, 20 secondes. Lambordé ? Non. 10 lettres. Sésame. Le sésame. Nougatine. Ah, 400 euros. Et voilà, c'est terminé. 400 euros supplémentaires, montant de vos gains, 3300 euros. Les mots qui manquaient, Ariel. Alors, il manquait avarice. Ah. Après bombarder, paprika et clayette. Et voilà. Et clayette, voici les mots qui manquaient. Bon, certains étaient peut-être difficiles. J'ai fondé beaucoup d'espoir sur paprika. Je me suis dit, il va le voir rapidement, mais pas du tout. Oui, Bertrand. Il était bien caché le paprika. Bravo en tout cas pour cette sixième victoire. Merci. On se donne rendez-vous avec Gilbert pour un prochain match. Belle fin de journée à tous. Merci.